Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. À l'affiche aujourd'hui, le FC Barcelone contre Madrid. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jeu aujourd'hui. Pour moi, ça pourrait bien être Gareth Bale, l'ami gallois. Physiquement, il est très... Le but pour Barcelone. Et c'est dedans. Et le voilà, le début de match idéal. Oh, voici Neymar. Isco, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Dans les rounds. Oh, le petit ballon piqué. C'est une occasion, ça. Oh, but! Oh, ce but au meilleur des moments possibles. Et quand on lui offre autant de... C'est fini! Le match est terminé! Quelle victoire! Quelle victoire absolument fantastique! Sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Ils avaient affiché leurs ambitions dès le départ. Et un derby, ça ne se joue pas au style ou à la classe, mais à la fierté. Ils ont abordé ce match comme il le fallait et cette victoire est logique au final. C'est la fin de cet après-midi football, on s'est régalé tous ensemble et merci à vous Darren d'avoir été avec nous. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Le coup de sifflet final, le match est terminé. Et non, il n'y aura pas de vainqueur à l'issue de cette première manche. Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter la défaite. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tullet. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Ballon vers l'avant. Une occasion. Allez jusqu'au bout. Oh, le but du capitaine au meilleur des moments possibles. Le capitaine choisit le bon moment pour ouvrir le score. Oui, ça fait toujours du bien de rejoindre les vestiaires avec un petit but en poche. Timing, exécution, précision, l'instant, ils pourront fêter cette victoire. L'arbitre siffle, le match est terminé. Quelle belle confirmation pour eux aujourd'hui après la victoire du premier tour. Ils s'imposent encore aujourd'hui, ils ont vraiment l'air solides maintenant. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps son avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. À l'affiche aujourd'hui, le FC Barcelone contre le Beşiktaş. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Oui, salut, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Et ce ballon vers ses attaquants. C'est bien fait, ça. Oh oui, il tente sa chance. Le but pour Barcelone. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Lejon. Et ce ballon sur l'aile. Bien travaillé dans la surface. Oh, c'est dedans. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Berardi, il joue dans l'espace. C'est joué long, attention. Jolie passe lobée. Sifflet final de l'arbitre. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Un nouveau rendez-vous de football, Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Bonjour Greg. Zonzi. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. On a vu des belles choses dans cette rencontre, il a manqué les buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant, mais 0-0 à l'arrivée. Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Grégoire, c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés. Directement sur le dégagement. Oh, le voilà qui accélère encore. Il va frapper. Messi. Le but pour Barcelone. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Messi qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Pour l'instant. Ce ballon bien dosé. Allez, jusqu'au bout. Oh, le but. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Quelle est belle cette victoire, belle et méritée. Ils étaient tous simplement plus forts aujourd'hui. C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait... Bien.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Bonjour. Oh, le petit ballon piqué, ça sent la frappe. Faut frapper là. Le but pour Barcelone. Ça y est, ce match est vraiment lancé. C'est une très très mauvaise passe, mais c'est... Il prend sa chance et il trempe le gardien. Oh, maintenant ça va être difficile de les reprendre. De très très loin, il n'a pas eu peur. Bon, avant je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Bah. Iniesta. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire. I'll never decide.